quand j'ai vu le lieu qu'ils appelaient le cimetière des Inconnus, c'était pour moi un cauchemar absolu. La municipalité était obligée de les enterrer dans un endroit qui n'est pas en fait correct. Ici, les cimetières appartiennent à des familles. Chaque famille a son bout de terrain où ils enterrent leurs morts. Et lorsque vous demandez à des personnes de vous vendre un terrain pour un cimetière, en général, ils refusent. Hein. Immédiatement, je dis, moi, il faut vraiment qu'on achète un terrain et qu'on construise un cimetière. Puisqu'on leur refuse une sépulture digne, moi, je vais leur faire un palais. Et j'ai commencé déjà à dessiner ce lieu qui aujourd'hui s'appelle Jardin d'Afrique. Je voulais que l'entrée soit une entrée de palais. On ouvre les portes, effectivement, dès l'entrée, il y a les choses les plus belles faites par la magie des mains des artisans. Que ce soit les ferronniers, que ce soit les céramistes, que ce soit les ébénistes, etc. Le concept architectural, c'est une demeure. Toutes les portes ont des auvents au-dessus qui couvrent le bois des portes parce que l'été, la chaleur est tellement énorme qu'elle peut disloquer et séparer le bois. Quand on voit ces barres d'acier qui sont boulonnées partout, qui sont collées là, c'est pour tenir le bois. Moi, au départ, j'avais l'idée simplement de faire des tombes. Mais la manière dont les corps arrivaient ici, c'était un désastre. Je me suis dit, pourquoi pas faire une salle de prélèvement ici et à côté, donc, la morgue réfrigérée qui le reçoit. Franchement, c'est un objet d'art, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une chance pour que ces gens se reposent dans ce lieu-là.